à tous, on se retrouve pour la découverte d'un nouveau tarot. Alors vous le savez certainement tous, je me sers très très peu du tarot pour l'instant. C'est quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de vraiment pousser la découverte de celui-ci. Et là, regardez-moi ce mini tarot que j'ai reçu de la part de Will et Alex de Space Delirium. Qui est magnifique, c'est une petite boîte rigide, donc le tarot est très très bien protégé. C'est magnifique, il existe en grand aussi, hein, pour ceux qui souhaitent. Donc celui-ci est au tarif de 15 €. Donc voilà, on va le découvrir ensemble. Et puis je remercie vraiment Will et Alex pour leurs petits mots aussi, sympa. Alors je vais mettre ça de côté, vous allez voir, hop, et je vais vous présenter celui-ci. Alors les cartes sont de très 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 bonne qualité pour un petit tarot, vous voyez. Alors ça c'est le dos de deck, voilà l'épaisseur de celui-ci. Et alors vous avez la première carte. Il s'appelle le Stardust Mini Tarot. Et derrière, vous avez, parce qu'il est en anglais, d'accord? Et derrière, vous avez la traduction. Donc, pour ceux qui sont nuls en anglais comme moi, n'est-ce pas? Vous avez la traduction. Donc, The Fool, le fou. Bref, je vous laisserai. Je peux vous le laisser comme ça pour prendre en photo, si vous voulez. Voilà. Donc, je vais le garder au cas où si j'ai un trou. On va découvrir les cartes ensemble, d'accord? Quoi vous dire d'autre sur ce tarot? Juste, je regarde ce que j'ai monté pour celui-ci. Il a bien 79 cartes, dont une, du coup, explicative, d'accord? Il est vraiment tout minus. Et j'adore parce qu'on peut transporter partout. Et moi, j'ai des petites mains et j'adore tous mes oracles ou tarots qui sont tout petits. Voilà. Donc, il fait 44 sur 68. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à... Par exemple, comparé à l'oracle des miroirs. Voilà. Vous voyez la différence? Voilà. Alors, on y va. Je vais vous présenter... les cartes une par une. Donc vous avez The Fool. Allez, je vais parler en français, ce sera plus simple pour moi, d'accord, parce que j'ai pas trop l'accent en plus. Donc le fou, d'accord, le magicien. En fait j'aime beaucoup parce que comme vous savez, ben, j'aime tout ce qui est original, et celui-ci, eh ben, il est original. Il est original, pourquoi? Ben parce qu'il n'a pas les mêmes dessins que tous les autres tarots. D'accord? Les autres tarots, ils sont tous à peu près... Alors, il y en a plein qui varient sur les couleurs, les dessins. Mais lui, est-ce que vous avez déjà vu un tarot juste avec des symboles? Non, moi, c'est la première fois. En tout cas, pour ma part, peut-être que vous en avez déjà vu. Mais voilà. Donc là, c'est la grande prêtresse. L'impératrice, l'empereur, le hiérophante. Alors, je vais les remettre hop, comme ça à mesure. Je trouve très sympa. Les amoureux, le chariot, alors l'étoile, si je me trompe pas, non, pardon, la force, je crois que c'était des étoiles filantes, la force, l'ermite, la roue de la fortune. Ça
brille un peu, je suis désolée. La justice. Le pendu. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Vous avez vu, j'ai bien appris mon anglais. Et alors ensuite, on y va pour l'as de bâton. Le 2 de bâton. Le 3 de bâton. Le 4 de bâton qui correspond au carreau, hein, les bâtons, d'accord? Le 5 de bâton, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10 de bâton. Ensuite, on passe au valet de bâton, le roi, le cavalier. Pardon, le cavalier, le bâton, la reine, le bâton, le roi, le bâton. Ensuite, on passe à l'as de coupe. Le 2 de coupe. Bon, je ne sais pas si vous voulez tous le voir. Le 3 de coupe, 4 de coupe, 5. 6, 7, 8, 9, 10, et là on repart pareil sur le valet de coupe, le cavalier de coupe, la reine de coupe et le roi de coupe. Et on repart sur l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Le 10, le page, le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et là, on part dans les deniers. Donc, l'as de denier, le 2 de denier, le 3 de denier, le 4 de denier. Le 5, le 6, le 7, le 8, le 9 et le 10. Le valet de denier, le cavalier de denier, la reine de denier et le roi de denier. Est-ce que vous avez vu cette originalité qui est dans ce mini tarot? Voilà, et vous avez exactement le même en grand pour ceux qui préfèrent. Voilà, vraiment une bonne qualité de carte, une boîte bien dure, bien résistante, donc il ne risque rien. Bonjour mon chat, voilà, il y a Canaille qui vient, qui dit bonjour.
la petite carte qui va bien pour expliquer la traduction. Et voilà. Donc, je tiens vraiment encore à remercier Louis et Alex pour ce bel envoi. Oui, bonjour, dis bonjour. Bon, ben voilà, vous aurez découvert mon chat. Je pense que vous ne l'aviez encore jamais vu. Donc voilà, écoutez, maintenant à moi de m'approprier ce petit tarot. Et mon chat l'adore. Hein. Donc, de m'approprier ce mini tarot et puis de pouvoir travailler avec afin de vous faire des prochaines guidances avec. D'accord? Donc, voilà. Bon, Kana, il aime beaucoup. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très, très, très belle journée et à très vite.